Salut à tous, ici Bassa de la team Douala. Je suis parti très tôt ce matin à 6h de Zurich en voiture jusqu'à Nantes. Je vais chercher le reste de l'équipe et direction Pouligouen. Ciao! Saut du pays ça! Bon, on est bien arrivé au Golden Tulip à la Ball. Jean-Félix a pris sa chambre avec Massé. Massé qui est là, qui parle avec Ryan, la team Ryan. Bon, allez, on va aller checker les chambres maintenant. Let's go. Voilà, on se retrouve dans la chambre. JF est présent. What's up, JF? What's up? Let's go. Here we go. Je vous présente Team Douala. Here we go. C'est ici. Là, c'est la vidéo. Bah, c'est posé sur son magnifique lit. 8h du matin, petit déj. JF va rejoindre Bassa et Antoine. Dur le matin, dur. Magnifique. On a un projet voilà, pour monter une équipe qui présenterait le Cameroun, donc Douala. On est originaire de Douala. On a besoin de points, on a commencé à... C'est notre premier tournoi, donc on a pas mal de retard face aux équipes concurrentes. On joue contre The Process. Ça va être un match intéressant pour nous parce qu'on a deux joueurs qui vont découvrir le 3-3. Antoine Mendy et JF Mkinyu. Donc voilà, ça va être intéressant. Tu vois les réflexes, le mec il tenait mon maillot, il me tenait le bras, j'ai mais... Ouais, tu vois. Et en fait, après, il me calculait pas. J'ai compris qu'il va passer fait. C'est pas les mêmes... Non mais moi, c'est de la... Tiens, il me tient, je dis mais... Ouais, j'arrête de me tenir, qu'est-ce que tu veux. J'ai kiffé. C'est physique. Enfin, le cardio, faut vraiment... tu vois, c'est ça qui est différent, mais sinon, ouais, c'est sympa. Tu vas être vachement réactif, panier marqué, défense. Mais ça s'est plutôt bien passé pour les matchs, donc c'est encourageant. Super League 3-3 et cette année-là chez RDF. Se joue actuellement. Le week-end prochain, le 10 et le 11, on va aller à Limoges, on va aller à Rennes, on va aller à Villeurbanne. Le 17, 18, 19. Strasbourg, Dunkerque, Paris. Il y a aussi le 25-26. C'était compliqué, on a joué une très bonne équipe, ils jouaient vraiment le 3-3 quoi. C'était Timarmon, je les connais on va dire, personnellement.
fait 3-4 ans, ils sont ensemble depuis le début, ils ont rajouté 2-3 bonnes recrues, on va dire. Et on a une petite leçon de 3-3 quoi. On va se taper balistique en quart, donc on va dire que c'est la grosse équipe du tournoi. Et je pense que voilà, c'est une équipe qui est plus adaptée pour nous, quoi. On va dire physiquement, ça va être moins petit, ça va moins jouer, voilà, courir par un peu partout. Donc après on verra ce que ça va donner. Et c'est ça la magie du 3-3, surtout tu peux tomber contre des joueurs sans nom, sans rien du tout. Et quand ça met dedans, ça met dedans. Et quand ça met dedans, ça paye. Ça paye cash. Tape, tape, tout le monde. Plus fort. Ensemble. La balistique qui va l'emporter. Faites du bruit pour balistique, c'est vous pensez qu'ils vont gagner. Et la frustration forcément, on ne visait pas forcément de partir après l'écart, mais bon c'est l'apprentissage on va dire, on a beaucoup d'expérience à apprendre, jouer ensemble ça se fait pas du jour au lendemain de toute façon on le savait, mais bon on sait qu'on pouvait faire mieux, on n'a pas su s'adapter par rapport au match de poule justement, et c'est ça un peu qui est frustrant quoi, parce qu'ok perdre, il n'y a rien de dramatique de perdre contre balistique, je pense que l'équipe favorite de ce tournoi, une des favorites pour la suite, pour le Open de France même, mais bon voilà. On pouvait faire mieux en poule, on pouvait faire mieux sur ce match. Forcément, ça reste. On a de la frustration en ce moment. Ça arrive qu'il y ait des équipes qui se créent et puis il y a une espèce de magie tout de suite. Tu sais, ça se sent, ça bouge la balle et tu prends plaisir. Là, je peux demander à tout le monde est-ce que les gars ont vraiment du plaisir à jouer ? Parce que c'est beaucoup de batailles, mais que de la bataille. Il n'y a pas un moment, voilà, ça... si la balle ne se partage pas, si on ne prend pas vraiment le plaisir, tu peux difficilement gagner derrière. Tu sais, la saison est lancée pour nous, on va enchaîner à Villeurbanne la semaine prochaine. Et voilà, c'est grappiller un maximum d'expérience. On aura un nouveau joueur pour Lyon, qui est un peu plus adapté pour le 3-3. Donc je pense qu'il va beaucoup nous aider. Et à partir de là, voilà, c'est prendre l'expérience et essayer de s'améliorer, grappiller un maximum de points. Parce que maintenant, la course à l'Open de France, ça va être plus compliqué que prévu, quoi.